Ok les mecs, aujourd'hui on va parler de ça, la Hoffman Bike Testimony. Hoffman Bike, du nom de Matt Hoffman. Je pense qu'il y en a qui le connaissent parce qu'il y a un jeu vidéo à son nom. Là c'est une vidéo qui est sortie il y a fort longtemps et on va la voir tout de suite. Après cette intro que je vous ai faite avec le cœur. Intro. La testimony. En anglais, testimony, ça veut dire témoignage. Chaque début de part de cette vidéo, il y a une espèce de petite interview du rider. Et en fait, ils expliquent ce qu'ils font et depuis combien de temps ils en font. Bref, on va voir ça. La Hoffman Bike Testimony est sortie en 2002, la même année que la Forward, que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. En 2002, les riders, ils avaient des bikes, c'était pas la même que nous. Donc dedans, les mecs, c'est rare que tu les vois faire un tail whip. Il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est énorme. Après, c'est notre façon de rider, quoi. C'est ça la différence entre les vidéos de maintenant et les vidéos de l'époque. À l'époque, les gars, ils s'envoyaient parce que les vélos tenaient, donc ils pouvaient gaper comme des cons. Par contre, ils faisaient pas des triple whip. Bon, bref. L'intro, elle commence comment? Elle commence, elle est filmée en 9mm, c'est un gros son. Il y a des images un peu stylées, un peu bizarres. Des images de vélo, des images de tous les riders qu'il y a dans la vidéo. Ça commence petit à petit. Bref, l'intro c'est l'intro, c'est comme dans toutes les vidéos, une intro c'est une intro. Comme dans les miennes, une intro, ça sert à rien. C'est quand ça commence à parler ou à rider que c'est intéressant. Après ça, après l'intro, on commence direct sur Chad Kagi. Alors Chad Kagi, il n'y a pas grand monde qui doit le connaître dans ceux qui regardent mes vidéos. Et c'est plutôt normal parce que le mec a plus ou moins arrêté. Il est commentateur maintenant sur les chaînes de sport, je sais qu'il... Il s'était mis un peu à la big, il a fait un peu de méga rampe. Il fait quand même des flare whip en méga rampe. Donc le mec est pas mal. Un gros panneau avec écrit dans ce skatepark c'est interdit au vélo, machin et tout. Alors, il y a le roule, il fait quelques tricks. Et puis deux secondes après, il y a un flic qui arrive et qui lui met une amende. Alors ça parce qu'en Amérique c'est souvent comme ça dans les vidéos, on le voit. Heureusement qu'on peut rider des parcs qui sont pas autorisés, heureusement qu'on se prend pas des amendes quand on roule dans la rue. Bon, après cette espèce de petite intro, l'appart commence, le mec fait des tricks de l'époque, il fait des suicides, il fait des grinds, il fait des gros grinds, il fait ride to bar spin, qui à l'époque c'était quand même rare de faire des ride to bar spin. Et avant ça, il met 5 essais à faire un downside whip sur une espèce de boss, que maintenant n'importe quel rider lambda peut mettre. Mais bon, à l'époque, c'est ce que je disais, les vélos, c'était pas pareil. Après Chad Kagi, donc qui finit sur un gros feeble sur un ledge. Bref, après ça, on attaque Kevin Robinson. Kevin Robinson, hein, ces dernières années, il faisait de la méga rampe. Je crois qu'il a des gros problèmes d'épaule à force de tomber en big. Du coup, il a dû arrêter plus ou moins. Il est devenu commentateur pour ESPN. Il a commenté les X-Games en méga rampe et en big. Et en fait, à l'époque, il roulait déjà très bien. Il faisait des switch-end. C'est-à-dire que switch-end, c'est faire... comme ça, donc là ça paraît facile, mais le mec le faisait en 5.40 en big, et des fois il faisait des switch chain en lâchant les pieds, donc c'est de la folie. C'est un des premiers mecs que j'ai vu faire flare condor, en big toujours, le mec le faisait pas en parc, maintenant il y a beaucoup qui le font en parc, mais les mecs à l'époque ils faisaient que de la big, quasiment, les gros tricks c'était que en big, en parc, avec les vélos de 30 kg, avec les vélos de 40 kg, avec les vélos de 50 kg, hey Marseillais! Le mec faisait des gros 5.40, on en voit un dans la vidéo. Gros 5.40. Il enchaîne 3 flares de rang dans une rampe. Et toujours pareil, les vélos à l'époque, ça roulait pas terrible. Moi j'en avais un de Hoffman Bike, c'était pas de l'alu. 3. Et à la fin, son hammer c'est un flare condor dans la big de Woodward. Il essaie de faire flare condor au-dessus du trou, là où il y a la prise d'élan. Il tombe, et au final il le fait dans la courbe, mais c'est déjà énorme. On passe, Kevin Robinson, allez voir sa part. Ça donnera peut-être des idées et ça vous montrera. Bon, il n'y a pas beaucoup de big en France, mais pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de tester une big, c'est quand même fat de faire des trucs comme ça dans une big. Après, il y a Dave Smith. Alors, Dave Smith, le problème, c'est que j'y connais pas grand-chose en Flatland. Il fait des figures au sol. Sa part, elle est cool, c'est bien filmé, je trouve, c'est marrant. Par contre, niveau flat, j'y connais pas grand-chose. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un moment, il fait des tricks dans une rue sur à peu près 100 mètres. Il fait
une quinzaine de fois le même trick, ça doit être un trick vachement dur, mais moi j'y comprends rien. Donc bref, on passe directement à Seb Kimbrough. À l'époque, il était chez Hoffman Bike, et à l'époque, il roulait pas comme maintenant. Maintenant, il est devenu assez souple. Et ben sa part, c'était une grosse part de bourrin. Hein. Musique de type. Le chanteur s'est tapé l'orteil dans le bord du lit. Le mec crie, il a mal. De deux, des images de Jésus crucifié au début de sa part, des images de trucs en sang, des images bizarres, il a une tête chelou, il a des espèces de dread. Le mec est bizarre. Mais avant ça, on le voit faire du skate, il a 11 ans, il est blond, il est content. Il explique, dans l'espèce d'interview, il explique qu'il vit dans une ville un peu bizarre, un peu petite, un peu creepy. Un peu bizarre. Enfin bref, tout est un peu pourri. Et du coup, c'est ça qui lui a donné l'esprit créatif qui se ressent dans l'appart. C'est-à-dire que le mec va caler un pot de fleurs en rock, il fait double bar spin et il retape. Pot de fleurs. Enfin bref, il fait des gros grinds. Il y a un moment, on le voit retourner son vélo et on se rend compte que depuis le début, il glisse sur le boîtier de pédalier est bouffé jusqu'à la moitié. L'arrière du cadre aussi. Tu fais ça avec un vélo de maintenant, il y a un trou dedans. C'est mort. Bref, Seb Kimbrough, allez voir sa part. Le Hammer, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, dans la part, il fait des Half Cap 540, c'est en 2002. Dans la part, il fait des Buddy Wallride to Faki. Dans la part, il fait des Gap to Smith, des Gap to Feeble. Enfin, c'est cool, sa part est cool. Je suis sûr que ça va vous donner des idées de tricks. Allez la voir. Après ça, on a une espèce de part avec les gars de chez Jackass. Alors, Jackass, pour ceux qui connaissent pas non plus. C'était Johnny Knoxville, Bam Margera, deux ou trois autres, Ryan Dunn, je crois. Des gars qui faisaient des conneries pour rigoler, ils se chiaient dans la bouche, ils pétaient dans le nez de leurs copains, ils sautaient dans des flaques de boue, enfin bref. Jackass, ça veut dire idiot, je crois, en anglais, ou truc comme ça, c'est des idiots, quoi. Bref, là, il y a Matt Hoffman, Tony Hawk et deux ou trois autres mecs qui essayent de faire le looping qu'on voit dans toutes les vidéos de maintenant, un looping complet, et après il y a un espèce de saut en water jump, il tombe dans l'eau, enfin. Par contre on voit à quel point c'est dur de faire un looping, parce que Matt Hoffman, c'est pas n'importe qui le mec, et il galère à le faire le looping. Je sais pas, il y a au moins une quinzaine d'essais où il tombe, et il tombe bien, et à un moment il tombe sur la nuque, et heureusement qu'il avait un casque intégral, parce que on le voit derrière avec un kiné en train de l'examiner sa nuque et tout, enfin bon bref. Allez voir l'appart. C'est difficile à expliquer. Le mec fait un loopy. C'est génial. Et après ça, on attaque la grosse partie de la vidéo qui est pour moi la plus belle partie de vidéo que j'ai vue. On voit Matt Hoffman qui avait déjà fait un record de son hauteur il y a bien longtemps sur une courbe. Ben là, il veut le refaire dans son jardin. Donc il monte un quarter. On voit le montage du quarter. C'est pas un quarter comme t'as chez toi. C'est pas un quarter de 1 mètre de haut. Celui-là, il fait, je sais pas combien il fait, il doit faire 6 mètres ou 8 mètres. Et en fait, il explique qu'au début de sa part, dans l'espèce de témoignage qu'il y a dans tous les débuts de part, que s'il arrive à sortir à 4 mètres au-dessus de sa bite qui fait 4 mètres, il peut peut-être sortir à 8 mètres au-dessus de celle de 8. Ce qui est logique. Mais bon, sortir à 16 mètres de haut au-dessus du sol, c'est un peu plus compliqué. On le voit prendre des élans tractés par une motocross, au début, il y va doucement. Et puis à un moment il monte à 25 pieds je crois, donc je sais pas 25 pieds combien ça fait en français, ça doit faire beaucoup, ça fait beaucoup de pieds, bref. Et là on le voit tomber, à un moment il tombe, il se relève, il réessaye, et il y a un moment il part en air, il tourne pas et il tombe directement sur le guidon, je sais pas comment, je crois qu'il se le prend dans le torse. Et en fait dans une autre vidéo il explique que je crois que son cœur s'est arrêté ce jour là. Et qu'en fait, tout le monde a cru qu'il était mort, et ils ont essayé de le réanimer et tout, ça s'est bien passé, il s'est réveillé. Mais dans la vidéo, justement, ça fait une intro pour la part qui arrive derrière. En gros, il tombe, on le voit par terre, on voit son corps qui se lève, son âme, entre guillemets, qui se lève, et là, il se remémore tout ce qu'il a fait dans sa vie. On voit dans la vidéo le premier flair, on voit le premier backflip to Faki, on voit des grosses chutes, on voit des gros sauts, on voit des gros trucs. Et là, on passe directement dans sa big, qui était dans son hangar derrière chez lui, je crois, ou chez Hoffman Bike dans l'usine. Bref, on passe dans sa big, et là,
Il y a 3 minutes de part, mon gars. 3 minutes de part et il y a au moins une centaine de tricks en 3 minutes. C'est-à-dire qu'il arrive à en faire 3 ou 4 dans le même saut. En gros, il se met les deux pieds sur les pecs arrière, il fait bar spin back, et il revient en lâchant les pieds, il revient sur son vélo. Il y a un autre moment, il fait Superman Sit Grand Bix Up, en air, en big. Il y a un autre moment, il fait... je crois qu'il fait double candy bar, c'est-à-dire les deux pieds dans le guidon, et après il fait un Superman et il revient en off-foot. Faut aller voir l'appart pour comprendre. Va la voir l'appart. C'est un truc de malade. Le mec sait tout faire. Il a inventé au moins 70% des figures qu'il fait là. Toi, t'en fais quelques-unes. Thurdon, Condor. Condor. Matt Hoffman, son surnom, c'est Condor. C'est pour ça que ça s'appelle un Condor. Bref. Va voir sa part. Et surtout, regarde-la en entière. Parce que bon, c'est bien de regarder la vidéo part par part. Mais c'est bien aussi de regarder une vidéo complète. Parce que le montage fait que ça... ça fait un crescendo qui fait bien. C'est-à-dire que ça commence tout petit par une intro tranquille, Chad Kagi, Kevin Robinson, ça monte déjà, il y a un peu de flat, ça redescend. On monte à Seth Kimbrough qui fait du street, un peu de conneries, et puis après, paf, Matt Hoffman qui commence à vraiment rouler, et là, t'es sur le cul. Donc voilà, voir la vidéo, c'est la Hoffman Bike Testimony. Si tu veux voir le lien, il va être dans la description, je vais essayer de la trouver en bonne qualité, même si c'est 2002. Et si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-là, t'as qu'à dire que c'est cool en dessous, ou tu t'en fous, tu mets un pouce bleu. Parce que tout le monde dit de mettre des pouces bleus, alors mettez des pouces bleus. Voilà. À la prochaine les mecs, c'était la vidéo du grenier.